expliqué qu'il nous fallait plus d'espace. Ouais, alors au moins, attends de voir. Hé, hey, Carlo. Hé, hey, tu nous aides un peu? Non, mais je reviendrai. Vous savez, je n'ai mis que 8 minutes et 46 secondes pour venir. Vous voyez, on est presque dans le même quartier, alors. Tiens, Colin. Alors, quand nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, tout le monde était heureux, sauf moi. Où ça, là? Oh, Colin. M'en occupe, maman. Viens, Colin. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et le pire, c'est que j'avais raison. Colin? Colin, mais qu'est-ce que tu prends? Allons. Allons, dors. Allons, dors. C'est bien. Un conseil. Quand votre chien semble sentir quelque chose et que vous décidez d'aller voir ce que c'est, soyez prudent. Méfiez-vous. Ah, oh, c'est un chaton. Allez, Minette, viens. Allez, viens, petit chaton. Approche. N'aie pas peur. Allez, viens. Approche. Qu'est-ce qui se passe? Cette chose-là, elle est en vie! T'as eu peur d'une éponge? De quoi je me mêle? Colin lui en voulait. Regardez-le, il sent qu'il y a du danger. Ce n'est qu'une petite éponge. Peut-être que dans le noir, t'as pensé que c'était autre chose. Ma porcelaine! Oh, non. Oh. C'est ma mère qui me l'avait donnée. Couche, sortis vite! Amène-toi, Colin! Je m'excuse. Et ramasse tout ça. Ne te coupe pas, tâche de faire très attention. C'est une très vieille coupure, tu sais. Tu n'en mourras pas. Oh, my God.
dois manger un bon petit déjeuner. Mais la pizza froide contient les éléments de chaque groupe alimentaire. Tout comme ton visage. Va te servir un bol de céréales. Attention, un papier avec des yeux, Cap. T'es crevant, hein. Est-ce que vous avez vu Colin ce matin? Je le croyais dans ta chambre. Oui, il l'était hier soir. Mais ce matin, il n'y était plus. Fanny, tu l'as vu? Non. En rentrant, je ferai le tour du quartier. Je devrais le trouver, sûrement. Il n'a guère l'habitude de s'éloigner, c'est étrange. De toute évidence, les choses allaient de mal en pis. D'abord la belle porcelaine de maman qui casse, puis mon frère qui se coupe le pied, et maintenant mon chien qui disparaît. Que va-t-il encore arriver? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cassé mon vélo. Ça alors? On dirait que tout va mal. Colin est rentré? Non, papa est allé à la fourrière. Il se passe des choses étranges ici. J'ai la nette impression que ça a un lien avec cette éponge. Et la voilà encore avec son éponge venue de Mars. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis qu'on a trouvé cette éponge, on a eu des embêtements, non? Ah! Vite, éloigne-toi de moi! Tiens, qu'est-ce que je disais à vous, hein? C'est encore meilleur que les envahisseurs. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ils nous ont débarrassés une fois pour toutes. C'était bon, c'est surprenante. Elle doit être observée. Non, elle doit être... Je te demande au nom de la science de ne pas faire ça, Kat. Ah, d'accord, on s'en fiche de la science. Voilà pour toi, stupide éponge. Adieu, la spongieuse. Cette fois, je crois que la chance va bientôt tourner. J'avais raison. La chance allait tourner. Mais pas en notre faveur. C'est l'heure de rentrer, Cathy. Et puis tu dois dormir, hein? Aucun signe de Colin, c'est ça? Non. Mais il reviendra bien, je le sens, oui. Et tout ira très bien, j'en suis persuadée. Bien, rentrons. Toutes les plantes sont en train de mourir. Kat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois? Mademoiselle Van der Hoff saura quoi en faire.
Oui, c'est ce que je pensais. C'est une éponge. Je le savais. Mais quel genre d'éponge? C'est une variété naturelle. C'est une éponge plutôt ordinaire. Non. Celle-là est étrange. Elle a des yeux. C'est effrayant. Des yeux? Les éponges n'ont pas d'yeux. Oui, mais peut-être que ce n'est pas une éponge. Cette chose se déplace. Et il nous est arrivé plein de choses étranges depuis qu'on l'a vue. Écoutez, si vous l'analysiez, la disséquiez, je sais pas. Mademoiselle. Reviens me voir demain après l'école. Merci, mademoiselle Van der Hoff. Mademoiselle Van der Hoff, peu importe ce que vous ferez, assurez-vous de la remettre dans sa cage, surtout, hein. Au revoir. Devenait de plus en plus étrange, pour ne pas dire inquiétante. Encyclopédie des phénomènes. Est-ce qu'ils ont mis sa photo? Qu'est-ce qu'il dit, ton bouquin? Il dit que cette bizarre éponge est en réalité un groule. Un groule? Mais c'est quoi un groule? Selon la théorie, un groule est une mystérieuse créature mythique qui porterait malheur, il semble. Ah bon, il porterait malheur? C'est ce qu'on prétend. On ajoute qu'elle se nourrit de ses malheurs. Chaque fois qu'elle provoque le mal, elle se renforce. Ça explique tous les accidents. Et ça dit comment le tuer? Non. Vous croyez pas tout ça? C'est ce qui est écrit. Heureusement qu'on n'a pas trouvé un lynx. Un quoi? Un lynx. C'est une sorte de vampire patate qui vous suce le sang de l'intérieur. Il y a des milliers de dents. Non. Étudions un seul monstre à la fois, merci. Mm-hmm. Pourquoi ne pas l'expédier au pôle Nord ou bien dans l'océan, je sais pas. Si celui qui l'a s'en débarrasse, il crèvera. C'est sûrement moi ça alors. C'est moi qui l'ai trouvé, hein. Eh oui. Encore heureux que t'aies pu le déterrer, hein. Mais je l'ai laissé à mademoiselle Van der Hoff à l'école. Tu as quoi? Est-ce que ça compte? Je vais pas attendre pour le savoir, moi. Faut le récupérer, maintenant! You are my sunshine, my only sunshine. Make me happy with my heart way. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Pas là. Elle y est sûrement. Ok. Restons calmes. Écoutez-moi, on se disperse et on cherche. You never know, dear. Dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Qu'est-ce qui se passe?
lâche le plomb. Avec lui, d'accord? Je crois que ça venait des étagères. Je vais aller vérifier. Il s'est frappé vraiment très fort. Il était conscient. Danger. Partout. La porte est barrée, on est enfermé. Regardez, on brûle, il grossit. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, sortons par la fenêtre. Dépêchez-vous. Je le prends par les pieds. Bon, faut le sortir d'ici. C'est quoi? C'est son baladeur. Regardez le Groul, il rétrécit. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il déteste cette musique. Ah, moi aussi. Pourquoi il déteste cette musique? Parce qu'elle donne envie de vomir. Mais pourquoi elle donne envie de vomir? C'est joyeux, c'en est bête. C'est ça. Le Groul aime le mal. Et puis, il déteste le bien, comme ils sont joyeux. Va remonter la musique. Et je vais faire en sorte qu'il entre dans sa cage. Daniel? Daniel, il n'y a pas de son. Non, rien. Il se remet à grossir. Tu dois vite faire quelque chose. Quoi? Chante la chanson, Kat. Chante. Je ne la connais pas. Eh bien, mais invente un peu. Et bien joyeux, hein. T'ai-je dit un jour, quelle merveilleuse éponge tu es? Eh bien, ça marche, continue. Tu es si jolie que tu nous rends heureux. Bien sûr, brillant, un excès de gentillesse. J'aime tant tes mille beaux et grands yeux, ah, je les aime. Et la belle chevelure que tu as. Et ta peau humide et jaune et si absorbante. Quand je serai grand, moi, j'aimerais une éponge tout comme toi. Oh, oh, oh. Ah, des produits chimiques, ça. Elle se remet à grossir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ne bougez pas, restez où vous êtes. Je m'en occupe. Prends ça, ne vous inquiétez pas. Dans l'encyclopédie des phénomènes, je demeure à jamais propriétaire du Groul. Comme je ne peux pas m'en débarrasser, voilà ce que j'ai fait. Bonjour, Groulie. Une autre belle journée qui s'annonce. Et voilà, de la jolie musique. Je savais qu'il reviendrait, moi. Bon chien. Ok, tout le monde, qui veut des crêpes? Oh, oui, 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 c'est bien. Ouais, t'es un bon chien, Colin. Qu'est-ce que tu me ramènes, hein? Qu'est-ce que tu me ramènes? Qu'est-ce que c'est? Une patate?